Bonjour, je suis le professeur François Dubos, je suis responsable des urgences pédiatriques et de la maladie infectieuse pédiatrique au CHU de Lille. La rougeole est une maladie infectieuse virale qu'on considérait obligatoire dans l'enfance avant la vaccination. C'est une maladie qui donne des boutons sur tout le corps, souvent un encombrement respiratoire et qui peut se compliquer soit d'atteinte cérébrale, soit d'atteinte pulmonaire ou ORL et de temps en temps de décès. La vaccination est arrivée dans les années 80 et en fait a été installée avec des indications progressives qui font que la plupart des gens sont vaccinés mais pas tout le monde et que eux sont exposés au risque. La vaccination elle a indéniablement diminué le nombre de cas de rougeole, elle a diminué le nombre de décès et de complications. Malgré tout, la rougeole c'est une maladie très contagieuse. Quand il y a un cas de rougeole, il y a environ 15 personnes autour qui peuvent être infectées. Et pour supprimer la circulation de ce virus, il faut un taux de couverture vaccinale, donc de vaccination de la population, extrêmement élevé, avec deux doses de vaccination dans 95% de la population. Là, on a un taux de couverture vaccinale qui a baissé avec le Covid. On a eu des épidémies avant le Covid, qui dans les années 2010, puis avant les années 2020, avant le Covid. Actuellement, on voit une résurgence de la rougeole. Depuis 2023, il y a eu une centaine de cas, alors qu'on n'en avait quasiment pas vu en 2021-2022. Et là, depuis 2024, on a déjà quasiment une centaine de cas, alors qu'on est au début de l'année, on avait passé un quart de l'année. Donc il y a une vraie vigilance à avoir et vérifier que les gens ont eu deux doses de vaccin. Les petits bébés de moins de 12 mois, c'est les plus fragiles, mais on ne peut pas les vacciner. Donc ce qu'il faut, c'est vérifier que leur entourage est bien protégé avec deux doses de vaccin. Ceux qui n'ont pas été bien vaccinés, c'est les enfants des années Covid qui auraient dû être vaccinés à ce moment-là. Eh ben, eux, il faut vérifier qu'ils aient deux doses. S'ils n'ont pas eu deux doses, là, qu'ils ont 5, 7, 8 ans, eh ben, il faut leur donner la deuxième dose. Et puis, à tous ces adolescents et adultes de moins de 45 ans qui n'ont peut-être pas été vaccinés ou qui n'ont reçu qu'une seule dose, eux, il faut absolument vérifier leur vaccination, absolument vérifier qu'ils auront deux doses rapidement pour éviter les contaminations et notamment le fait qu'il va y avoir beaucoup de monde en France, il va y avoir les Jeux Olympiques. Là, c'est des mouvements de foule, des rencontres de gens qui sont possiblement infectés et qui peuvent nous contaminer.